Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur My Time at Portia. Je laisse passer les deux frérots là. On se retrouve du coup après avoir la dernière fois, on s'est fait un petit peu pas arnaquer, mais en tout cas, on essaye un peu de nous voler de l'argent. Et donc normalement, nous allons revoir les agents du recouvrement durant ce week-end. Alors comme je l'ai dit, j'ai passé 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Je suis allé à la mine et j'ai également récolté un petit peu de bois. Donc voilà, en tout cas j'ai pas mal de petites choses, notamment voilà, je me suis pas mal concentré sur le cuivre parce qu'au final c'est parti assez vite, voilà, donc du bois, du cuivre, des ressources. J'ai quelques petits artefacts là, des anciens thermos, maquettes de monuments, des petits moteurs, ok, un ventilateur, un éventail, et puis des disques, voilà, donc quelques petits trucs, très bien, et ça aussi, là, un cheval au galop, morceau 4. Donc déjà, je vais un petit peu ranger tout ce qui est de mes coffres, et je sais pas quand est-ce qu'ils vont repasser les gens, comment dire, du... Hop, alors je sais qu'il y a des trucs que j'ai déjà... Hop, les disques, ok, ventilateur, j'ai pas... Est-ce qu'il y a des... Ah, il y a des trucs que j'ai déjà... Hop, je vais essayer de les mettre dans ce coffre-là. Ah, voilà, ça, parfait. Et ensuite, dans l'artefact 2, bah, je vais mettre le reste. Voilà, on est pas mal, très bien. Ensuite, tout ce qui est végétaux, je vais mettre ça, ça va là-dedans. Ok, le bois, ça, ça, ça. Très bien, et bah, c'est parfait. Hop, du bois comme ceci, très bien. Et ça, ça va plutôt dans les minerais. Ah, j'ai encore un artefact, là, j'ai oublié. J'ai oublié ce petit oiseau là, et dans les minerais, voilà, là je suis content niveau minerais, on va être pas trop mal, voilà, 320 au moins, on pourra faire des petites choses. Alors pour l'instant, pourquoi ça c'est dans les minerais, je ne sais pas, mais bon, d'ailleurs tiens, ça tombe bien que je vais le prendre, parce que je crois que j'ai des plantations qui sont, voilà, je vais pouvoir les récolter, très bien. Ah, et j'ai eu des nouvelles pousses, très bien, donc on va planter ça, voilà. Parfait, le coton est mûr ici, donc on va pouvoir le récolter également, et replanter de la laitue, du coup, vas-y, très bien, parfait. Eh ben c'est impec ça, c'est impec, hop, du coup, je vais remettre ce que j'ai eu dans végétaux, voilà, j'allais dire, j'avais un truc végétal. Ah, j'ai pas de place pour le coton, ah non, mince. Bah écoute, pour l'instant on va le mettre là, voilà. J'avais acheté la dernière fois aussi un kit de un kit d'amélioration. On va regarder parce que je crois que voilà, il me fallait pour moi un peu de bronze, c'est ce que j'avais fait cuire la dernière fois, et on va pouvoir normalement améliorer notre hache, non pas notre hache, notre pioche, c'est ça. C'est ça, donc il fallait une pioche, 2 barres de bronze et le kit. Et bah du coup comme ça on va faire ça direct. Voilà, parfait. Alors je sais pas comment je vais pouvoir augmenter, c'est l'épée, parce que j'aurais bien voulu faire une meilleure épée, mais je crois qu'on a déjà la meilleure épée, à savoir celle-ci. Donc bon, bah écoutez, pour l'instant on va rester avec ça. Mais au moins voilà, j'ai une pioche en bronze et une hache en bronze, donc ça on est plutôt cool. Bon, bah ils ont pas l'air de venir aujourd'hui, donc peut-être qu'ils vont venir demain. En tout cas je vais lire mon courrier. Ok, résultat de la recherche, nous avons terminé la recherche du diagramme, voici le résultat, la scie industrielle. Très bien, donc j'ai un nouveau pattern, très bien, on va pouvoir regarder ça. La scie industrielle, donc on a déjà une scie, nous c'est la scie, je sais plus comment elle s'appelle, mais la scie personnelle, voilà, très bien. Et donc il y a la nouvelle qui est, elle est pas là, four personnel, scie industrielle, voilà, c'est ça. Faut des circuits, faut des barres d'acier. Ok, il faut un four personnel pour avoir les barres d'acier. D'accord, très bien. Et une scie meuleuse. Mais de toute façon, là, il faut un établi niveau 2.
Ok. J'ai l'impression que il va nous falloir un établi niveau 2 hein, à un moment, mais je crois qu'il fallait pas mal de minerais, et c'est pour ça que j'avais été en chercher. Très bien. Bon, alors du coup, juste vite fait, ils nous ont trouvé une nouvelle recette, un nouveau diagramme, et comme j'avais dit la dernière fois, eh bien, c'est plutôt conseillé de faire pas mal de recherches. Donc, je vais reprendre des CD et je vais aller leur donner au niveau du centre de recherche. Et je vois que j'ai une quête là, tiens d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai une quête qui m'attend juste ici. Alors, je sais pas qui a une quête pour moi. Hop, mais il y a l'air d'avoir une quête ici. C'est toi ? C'est Sonia ? C'est toi qui as une quête pour moi ? Non. Bon, je peux lui parler, mais... Je jette un œil aux offres de l'agence de voyage chaque saison, même si je peux pas y aller, c'est beau de rêver. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est toi, du coup, Lee ? Peut-être ? Ah, j'arrive pas à lui parler, mais... Ok. Hey ! Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est peut-être à l'intérieur, en fait. Hein. On va aller. Table ronde. Table ronde, table ronde. Ok. Est-ce que quelqu'un a une quête pour moi, ici ? Ah oui. Django. Django, dîner. Non, je veux pas dîner, moi. Je veux... Attends. Oh, d'accord. On peut manger, mais non, je voulais pas dîner. Je veux annuler. Je veux parler, moi. Je veux parler à Django. Alors, l'épée de Django. Mon épée d'entraînement est trop usée. Il m'en faut une nouvelle pour les exercices matinaux. Qu'est-ce que t'en dis ? Bah ouais, vas-y. Carrément. Carrément, carrément. Tu veux une épée en bronze ? Ah bah oui, mais du coup, moi, je peux pas te la faire. Attends, est-ce que j'ai un temps pour cette mission-là ? Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai monté de niveau en faisant mon minage, etc. Donc on va pouvoir tranquillement... Bah tiens, je vais augmenter ça, voilà. Et ça, c'est quoi ? Augmente 8% de doubler les gains minants, l'endurance augmente, ok, la fortitude augmente. Je vais augmenter ça. Voilà, parfait. Et là, normalement, les prochains trucs que je vais pouvoir augmenter... Ah, je peux augmenter ça. Et ça, c'est avoir 5 points pour déverrouiller le niveau suivant. Alors, attends. Comment je fais pour annuler... Attends. Tac. Ah, il faut 5... Attends, je comprends pas. Non, j'ai déjà appliqué ça. Ah, il faut 5 points ici pour pouvoir débloquer la suite. Ah, je pensais qu'en fait, ça se débloquait... Ok, bon, à la limite, pour l'instant, je vais faire ça. Et du coup, je vais commencer ça, mais... Ok, bon, bah écoutez, on va partir là-dessus. Alors, attends, à la base, je voulais regarder la mission, moi. Est-ce que j'ai du temps pour la mission ? Ah oui, j'ai 6 jours pour faire la mission. Ah oui ! Ah oui, ah oui! Ah, j'aurais peut-être pas dû la prendre tout de suite. Attendre les week-ends, ouais, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok, j'aurais peut-être pas dû la prendre tout de suite, parce qu'au final, je suis pas sûr de pouvoir la faire. On va peut-être retourner voir, pour améliorer. Déjà, il faut que j'aille poser mes CD, là. On va aller poser mes CD. Hop, au niveau du centre de recherche. Oh là, qu'est-ce qui se passe en haut, là? Qu'est-ce qui se passe en haut? Pourquoi il y a tout le monde qui était en haut? Très bien. C'est qui, elle? Passager. J'ai jamais vu elle. Hop, ce pain frais est merveilleusement savoureux. J'aimerais beaucoup en rapporter à la maison. D'accord, en fait, je pense que c'est juste une passagère, en fait, tout simplement. Et que c'est pour ça que j'ai pas pu faire d'action avec elle. Bon, très bien. Alors, je vais aller au centre de recherche. Hop. Alors, j'ai décédé. J'ai décédé. C'est Petra, hein, je crois qu'il faut parler. Donc, hop. Hello. C'est bien, je commence à retenir un peu les prénoms. Tu as découvert quelque chose de nouveau. Lui donner... Bah vas-y, j'en ai 10, on va lui en donner 10. Ok, pour faciliter la recherche, tu peux toujours nous en donner plus. Bah non, je n'ai rien, donc... Ok, c'est minime, ça devrait contenir un... Ils auront quelque chose pour moi demain. Ok, bon, on aura l'info demain. Alors je me doute qu'elle va pas me livrer une nouvelle recette demain. Mais en tout cas, demain, elle va nous dire « Ah, ça va peut-être nous prendre plus de jours » ou un truc comme ça. C'est ce que ça avait fait la dernière fois. Bah écoutez, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce que j'ai d'autres quêtes à aller chercher Ah, il y a une quête ici, tiens. Il y a une quête ici, Poussin en cavale. Et du coup, moi, je voudrais aller, c'est au niveau de AG et construction. C'est là, en fait. Hop, si je peux remettre le point. Voilà, parfait. On va aller là. On va aller... En vrai, j'avais même pas besoin de mettre le point parce que je sais où c'est. Je sais où c'est juste à côté de la guilde du commerce. Mon dieu, ce chat à chaque fois là, ce chat fluo, il me perturbe. Il me perturbe ce chat. Ok, alors je vais retourner voir parce que je me souviens plus du tout de ce qu'il fallait pour augmenter. Et il est déjà midi dans la journée, hein, mine de rien. Mine de rien, ça passe vite. Hein. Alors, du coup, c'était ici, catalogue. Je crois que c'est ça. Hein.
Je crois que c'est ça. Alors, je vais te faire regarder. Donc moi, à la limite, j'aimerais bien améliorer, c'est l'établi. Ok, améliorer. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ok. Ah oui, mais non, il fallait de l'argent. C'était de l'argent qui me manquait. Les pièces anciennes, j'en ai, hein. Les pièces anciennes, j'en ai, ça c'est sûr. Des planches de bois, je peux les faire. On va se les faire, tiens, on va faire 20 planches de bois. Les pièces anciennes, je les ai. Et par contre, ouais, il faut 2000. Ouais, faut que je fasse des quêtes, en fait. Ah, c'est de l'argent qui me manquait. Je pensais que c'était vraiment des ressources, mais non. Enfin, en tout cas, pas pour l'établi. Je sais qu'il y en a d'autres où il y a besoin de ressources, mais pas l'établi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller chercher la quête. Hop. L'autre petite quête des poussins, là, parce que ça, il y a peut-être moyen que j'arrive à le faire. Sans trop me prendre la tête là, les petits poussins en cavale, ça doit être là, non? Je suppose. Je suppose, je suppose. Où est-ce qu'ils sont les petits poussins? Où est-ce qu'ils sont les petits poussins? Attends, elle est où la quête? Elle est où la quête? Bah! Ah, la quête, elle a disparu! Oh non! Oh non, homme mystérieux. Tiens. Tiens, il y a quelqu'un. Il y a un homme mystérieux là, attends, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Ah, mais non, la quête, elle a disparu! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas eu le temps, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré ou j'en sais rien. Il est occupé à faire autre chose. Bref, je me demande si c'était pas la petite grand-mère avec soit la petite grand-mère, soit c'est qui lui? Homme mystérieux. Reste là, homme mystérieux. Reste là. Reste là, reste là. Homme mystérieux. Ah oui, effectivement, il a un petit masque là. Oh, un fidèle client a fait son apparition. Je suis le vendeur mystérieux, ravi de te rencontrer. D'accord. Magasin. Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il vend? D'accord. Des trucs. Ok, des chapeaux. Très bien. Ok. Des petits chapeaux, bon, pourquoi pas. Ah, il y a un lit, incroyable. Après, il faut que je garde mon argent, donc j'avoue que j'ai pas trop envie d'acheter des trucs pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on va rester comme ça, hein. On va rester comme ça. Bon, alors par contre, je suis un peu étonné. C'est que je pensais pas qu'ils allaient venir le dimanche, les deux gars du recouvrement. Mais bah à la limite, ce que je vais faire, c'est qu'on va lancer les planches. On va lancer les petites planches là. Il m'en faut 20, si je ne me trompe pas. Voilà, des planches en bois. Fabriquer. Hop. Ah, le maximum que je puisse faire, c'est 10. Ok, bon, très bien. Et il faut que je remette du... Attends, là j'en ai encore pour 7 heures, mais il m'en faut... Ok, c'est ça. Ok, très bien, là j'en ai pour une journée quelle. Donc ok, il faudra qu'on fasse encore derrière, j'ai qu'une scie, donc du coup, ça c'est bon. Et derrière, est-ce que je confirme que j'ai bien des pièces dans Artefact? Ouais, c'est bon, j'en ai 22. Il me semblait bien, hein. Il me semblait bien que j'en avais, donc ça c'est cool. Ok, très bien. Et par contre, j'espère que... Attends, je crois que c'est ici. Où on peut voir tous les catalogues d'objets, voilà. Épée en bronze, c'est ça, il faut bien un établi niveau 2, ok. Je sais plus si on l'avait regardé ensemble ou pas, mais très bien. Donc il me faut bien un établi niveau 2. Ok, bon, alors du coup, bon, c'est un peu dommage parce qu'on va aller se coucher. Mais je veux juste passer la journée, éviter de... Bah là, de toute façon, j'ai rien de spécial à faire, donc éviter de perdre du temps. Hop, on va dormir. Et du coup, on va attendre... Enfin, on va voir s'ils viennent, les gars du recouvrement, là, hein. Normalement, on a averti la brigade civile, nous. Est-ce qu'ils sont là? Quoi de neuf, constructeur? As-tu l'argent que tu nous dois? Je sais qui vous êtes. Oui, quelqu'un vous l'a... Vas-y, je veux dire oui, quelqu'un vous l'apporte bientôt. Bien, bien. Le voilà. Ah, ça va être... C'est Arlo à qui on a parlé, je crois. Hein. Ça va être Arlo, il me semble. Allez. Bonjour, messieurs. Arlo! Qu'est-ce qu'on fait? S'en prendre à quelqu'un qui vient d'arriver. C'est bas. Vous êtes en état d'arrestation. Revenez ici. Yes! Vas-y, Arlo! Vas-y, Arlo! Yes! Bon, bah, ça va. Ça s'est passé plutôt bien. Ça s'est passé plutôt bien. Le centre de recherche, très bien, vous avez découvert quelque chose. Mais il nous reste beaucoup d'informations. Ce sera par 4 jours. Ok, très bien. 4 jours, bon, je m'en doutais un petit peu, clairement. Ok, très bien. Et du coup, bah là, j'ai pas de quête, là. Hein. J'ai pas de quête, j'ai pas de quête. Alors par contre, vu qu'on est le week-end, normalement, on peut aller faire l'inspection à la mairie, il me semble. Ou au centre, je sais plus. Non, c'est au centre, hein, c'est ici. C'est ici, c'est ici.
Allons voir. Il se promène avec son cochon, lui. Magnifique. Hop. Ah, ça ouvre à 8h. Ah, ok, on est un peu trop en avance. Ah non, mais je voulais pas fermer ça. Je voulais juste attendre. Bon, on va attendre un petit peu. Hop. Ok. Voilà, fais ce que tu veux, mais reste sur ton choix. C'est qui, elle, là? J'ai jamais vu. Dolly Polly Molly. Voilà, c'est... Oli Poli Oli Moli là. Il y avait un dessin animé qui s'appelait comme ça. Oli Poli, un truc comme ça. Ok. Salut Sonia, ça va? Ça va, ça va. Bon, c'est ouvert là? Ah oui, il est 8h15. Il est 8h15. C'est vrai que j'ai pas vu Presley passer. Mais je suppose que c'est ouvert. Ok. Ah bah, il y a Antoine. Alors, on va pouvoir faire un petit peu le mini-jeu d'inspection là. Très bien. Comment je tourne? Comment je tourne? Comment je tourne? Ok, là il y a un... Il y a un bug là, très bien. Et est-ce que je vois autre chose? Est-ce que je... Oui, là, là, la pointe. Ok, très bien. Ok, magnifique. Je sais pas si ça donnait de l'argent ça. Oh bah d'accord. Déjà le chapeau qui était à l'envers. Là il y a bien la coupure. Ok. Là, là, là. Ouais, c'est évident quand même. C'est évident, mais j'ai galéré. Hein. J'ai galéré. Ok. Oh, cette poubelle là encore. Encore? Il y avait un pied qui était pas de la bonne taille, je crois, non? Non, c'était pas ça? Non, c'était pas ça. Oh, bah attends, elle est complètement de travers, la truc, là. Ok, parfait. Ah, on gagne des points de réputation, c'est ça, ok. Ok, ok, vas-y, inspecte. Ok, bah déjà, là, il y a un truc qui est pas droit. Et... Bah, lance, elle est beaucoup plus grande, ouais, il me semblait bien. Et là, vérifier. Non, mais c'est tout, en fait. C'est tout. J'ai tout inspecté, là. Ok. Et par contre, ici, on peut peut-être regarder les commandes. En vrai, j'ai jamais trop regardé ça. Nous avons besoin d'un véhicule Didi à 3 roues pour le système de transport de la ville. Assembler le véhicule Didi. Ok. C'est quoi les autres trucs? Hop. Un Didi. Ah, ok! Ah, c'est 3 fois la même! Bah, vas-y, on va en prendre une. Je crois qu'on peut pas en prendre plusieurs. Tu peux avoir qu'une seule commande à la fois. C'est ça, il me semblait bien. Hein. Ah oui, mais j'avais pas tilté. La dernière fois, il a dit oui, on va mettre en place le système de véhicules. Mais j'avais pas tilté qu'il fallait aller prendre les quêtes ici, en fait. Très bien. Et ben voilà, on a trouvé ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je sais toujours pas comment avoir ce coffre-là, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, est-ce que la quête est revenue, là, ou pas? Ah, faut que j'aille faire quelque chose ici. Échange au centre de recherche. Mais non, qu'est-ce que j'ai à faire là? Qu'est-ce que j'ai à assembler le truc Didi? Ouais, mais faut que j'ai d'abord le truc pour le donner. Et l'épée de Django, par contre, bah en fait, avec la quête du Didi, je vais peut-être avoir un peu d'argent. Donc potentiellement, ça va peut-être. Ah par contre, attends, j'ai encore du courrier. De Petra. Presley m'a dit que tu as accepté une demande de véhicule pour cet appareil. Tu auras besoin de pièces fabriquées à partir de reliques. Je ne sais pas si tu sais comment procéder. Viens me voir au centre, je t'expliquerai tout en détail. Ah d'accord, ok. Ok. Bon bah j'arrive. Ok, moi j'allais aller voir la recette sur l'établi là, sur la station d'assemblage, mais il y a pas de souci. Salut les petites coccinelles. Pourquoi je suis passé par là? Je me rallonge, mais enfin je sais pas si je me rallonge en vrai. Ça revient un peu en même. Mais effectivement, c'est dommage parce que j'aurais dû passer par le village, au moins j'aurais croisé les gens. Parce que là, je passais voilà, directement là. C'est qui, lui? Ah, passager, ok, très bien. On a Toddy, le poissonnier, Martha, là, qui fait sa gym, très bien. Non, c'est pas là, c'est ici. Allez, on va aller voir, du coup. Alors, Petra, explique-nous un petit peu, là. Explique-nous des choses. Hop. Oh, tu es là! Pour construire un véhicule Didi, il te faudra un petit moteur. Il s'agit de l'appareil qui permet à nos voitures de rouler et à nos avions de voler. On ne sait plus comment les fabriquer. Alors, nous allons devoir en récupérer un dans des ruines. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de creuser pour les trouver. Ils alimentent les anciens robots qui errent encore dans les ruines. Donc on peut obtenir certaines de ces pièces en dépouillant ces robots. Les ruines s'appellent les ruines périlleuses. On trouve des ruines périlleuses à l'est de la ville, dans la zone des terres désolées. Ces terres abandonnées sont dangereuses, et c'est pourquoi elles sont clôturées. Tu devrais faire attention. D'accord. Ok, alors, parce que moi j'ai déjà eu des petits moteurs. C'est pas cela? Il me semble que... Bah je sais pas, j'ai pas regardé la recette, mais... Il me semble que j'ai des petits moteurs, moi. On va regarder.
On va regarder. Et puis, bah, sinon, il faudra qu'on aille dans les ruines périlleuses, du coup. Alors, c'est pas les mêmes que les ruines abandonnées. Ces ruines abandonnées, j'ai l'impression que c'est que pour des minerais ou des trucs comme ça. Alors que les périlleuses, ça a l'air d'être peut-être avec des monstres. En tout cas, et elle a dit qu'il fallait affronter des robots, en tout cas. Hop, la quête, elle est toujours pas là, en passant. Non, toujours pas là. Ok, bon, bah, écoute, c'est pas grave. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Obtenir. Boîte à outils d'artisan. D'accord, qui c'est qui a laissé ça? Qui a laissé ça? Alors, Didi... Bah si, petit moteur, c'est ça qu'on a eu. Ok. Alors, attention, parce que là, siège une personne... Ah, il faut un établi V2. Donc, de toute façon, il me faut forcément l'établi pour ça. Ok. Étoffe amphibie, je crois que j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas autant que ça. Ok, bon, déjà, il va nous falloir 5 barres de cuivre. Et il faut que je fasse cuire du sable dans la fournaise aussi pour avoir 5 de fer. Ah oui, mais attends, mais il y a plein de trucs à avoir, en fait. Faut 4 planches de bois. Faut de la fourrure et de la fibre. Provient de mon... Ok. Avec une biseauteuse. J'en ai une biseauteuse. Ah oui, non, mais attends, il y a plein de trucs à faire, en fait. Il y a plein de trucs. Pour les pneus... Ok. Bon, déjà, il me faut 6 barres de bronze. Donc déjà, on va faire 6 barres de bronze. Ok. Ah, les planches, parfait, tiens. Hop, je vais en relancer parce qu'il m'en fallait 20 pour je sais plus quoi. Ah oui, pour augmenter l'établi niveau 2. Donc, de toute façon, je vais en avoir forcément besoin. Ok, très bien. Ici, il me faut 6 barres de bronze. 6. Voilà. Il me fallait, je crois, 5 bouts de verre. Un truc comme ça. Hop, 5 bouts de verre et 5 barres de cuivre. Ok, déjà, on va lancer tout ça. Fabriquer 5 bouts de verre. Ok, je vais remettre du bois d'ailleurs, en passant. Voilà, je sais pas si j'ai assez de bois d'ailleurs dans celui-là. Hop, non, clairement pas. Clairement pas. Voilà. Et 5 de cuivre. Voilà, fabriquer. Avec tout ce que j'ai récolté là, là, je suis sûr que j'en ai assez. Ok, très bien. Donc tout ça c'est en place, très bien. Ensuite, donc pour les roues, il faut les barres de bronze et du caoutchouc. Bon, le caoutchouc c'est sûr que j'en ai. Ça on a, le moteur on a, la fibre, ça se fait avec la biseauteuse. Alors attends, je crois que j'en ai quelques-uns, alors j'en ai pas 6 à mon avis, mais je crois que j'en ai quelques-uns dans... Attends, il y a quelqu'un qui m'en avait donné à un moment je crois, autre... Ah, c'est ça, hein. J'en ai 2, et il en faut 6, donc il m'en faut plus que 4, au final. Il m'en faut plus que 4 de ça. Donc il me faut de la fourrure abîmée, de la fibre végétale, et ça se fait avec la biseauteuse. La biseauteuse, est-ce que c'est ce truc-là? Je me souviens plus comment ça s'appelle, ça. Non, ça, c'est le broyeur. Ok, donc il va me falloir une biseauteuse. Ça, j'ai pas, ça. Donc déjà, avant toute chose, il va me falloir une biseauteuse. Biseauteuse basique. Ok. Ah. Il faut 4 barres de bronze. Bon, j'étais en train de faire du bronze, donc c'est pas mal. Et il me faut une dalle en marbre et un tuyau. Récupère les matériaux suivants et transforme-les au broyeur. Ok. Mais en fait, au final, il faut juste une dalle de ça et ça. Bizarre. Bah, on va se mettre en mode construction de ça. Du coup... je crois que c'est là-dedans, il me faut une plaque de marbre. C'est pas ici. Non, c'est pas ici. Tuyau en bronze. Ah, il m'en faut 2, ok. La plaque de marbre, où est-ce que ça se fait? À la scie, peut-être. Ça se fait peut-être à la scie. Attends, fabriquer. Ah, dalle de marbre, c'est là. Ok, ça met 1h30. Annuler. Ou... Attends, annuler, oui. Fais-moi une dalle de marbre. Ah, mais j'en ai pas. Comment ça, j'en ai pas? Attends, j'ai pas de marbre? J'avais plein de trucs à l'époque. Ah, c'est du fer. Ah, j'ai pas de marbre. Ah! Alors, il va me falloir du marbre. Ok, très bien. Et bah, à ce moment-là, je vais relancer les 10 planches. Hein. Il n'y a pas de souci. Ah, mince! Mince. Ok, et le marbre... Attends, manuel.
Manuel, si personnel, mais ça, ressource minage. Ah mince, et je crois que j'en ai eu hein, à un moment. Hein. J'en ai eu, mais effectivement, ah c'est dommage. Ok, bon, les barres de bronze, du coup, j'en ai besoin de 4 de plus que ce que j'avais demandé. Donc, déjà, au lieu d'en faire 6, je vais en faire 10. Fabriquer, voilà, très bien. Un jour, sauf que j'ai 18 heures de... Ok, très bien. Bon, ok. Bon, on prépare un petit peu tout ça, au moins comme ça on aura les différentes ressources. Mais effectivement, là, j'ai besoin de marbre pour avoir la biseauteuse, pour faire certains objets pour le truc. Ok, très bien. Très bien. Au final, ça va être un peu galère. Là, j'ai pas trop de moyens de gagner d'argent, là, en vrai. Comment je peux gagner de l'argent? Je peux peut-être vendre des trucs. En fait, il faudrait juste que je passe à 2000. Ah, mais j'ai que 1000. Et ça, c'est quoi, la boîte d'artisan? Source homme mystérieux. Répandue chez les artisans, elle aura 13 études pour exercer leur métier. Fortitude ma... Ah! C'est un meuble! Ok, bah je vais le mettre dans ma maison, alors. Attends, artefact. J'aimerais bien vendre des trucs là-dedans, mais je sais pas trop quoi... Ok. Y a pas grand-chose qui vaut cher, en fait. Ça vaut 20, 50, j'ai vu un truc. Non. Y'a rien. Les poissons... Ah, les poissons, c'est un peu plus cher, en vrai. Oh, celui-là, il est cher. Goliath. Comment je vends? Faut que je les prenne et faut que j'aille voir, en fait. Ok. Ah, la pêche, ça peut être un moyen de... Bon, ça, non. La pêche, ça peut être un moyen de gagner un peu d'argent. J'avoue. Ok. Bah, limite, je vais peut-être aller pêcher, tout simplement. Hop, on va aller pêcher au spot ici. Hop, voilà. Juste au niveau du pont que j'ai construit. Hop, voilà. Bah, écoutez, c'est petit dimanche peinard, au final. L'histoire avec les gars du recouvrement, là, ça s'est réglé en 2-2. Et puis, par contre, j'ai pris une quête avec, je sais plus comment il s'appelle, là, Django, je crois. Django, c'est marqué sur le côté. J'ai pris une quête avec lui. Malheureusement, il me faut un niveau 2 d'établi. Ok, pêcher, très bien. Ah, je me rappelle plus comment. Tu dois avoir une canne à pêche. Ouais, c'est quoi ça, Mario? Appât requis. Oh non, j'ai pas d'appât. Oh non. Ah mince. Bon, bah, tant pis. Hé hey, le bus. Passager. Montez. Oh, on peut monter dedans. Oh, trop bien. Trop bien, je savais pas qu'on pouvait monter dedans. Enfin, oui, en soi, c'est logique, mais... Magnifique. Oh là, je m'épuise même pas. Ok, alors par contre, moi, faut que je descende un moment. Bon, après, je sais pas si ça va très vite, hein. En vrai. Les récompenses te seront envoyées par courrier. Ah oui, ok, très bien. Comment je descends? Ah bah comme ça, ok très bien, fallait juste appuyer sur E. Magnifique. Hop, bah écoutez, je suis déçu de pas avoir ce que je voulais, donc j'attaque des moutons, voilà, hop, bon c'est pas des moutons, c'est des lamas colorés, mais je suis déçu là, de pas avoir les appâts, de pas avoir, ah c'est fou ça, c'est fou, hop. Et bah du coup, il va me falloir du marbre, c'est-à-dire qu'il va falloir que je retourne miner. Bon, bah... Génial. Alors, pour info, j'ai vraiment pas mal miné. Il y a toute une zone même que j'ai totalement creusée. Et d'ailleurs, tiens, le coton, là, il est prêt? Ah bah oui, il est prêt, le coton, là. Pourquoi j'ai pas récupéré? Et je peux rien planter. Ah, attends, bah on va planter. Bon, en vrai, je pense que... On va planter, et puis... Hop, déjà le coton, on va le mettre là. Alors j'en ai plein de coton, mais je sais pas trop à quoi ça va me servir. Par contre, je vais planter du blé, moi. Hop, voilà, parfait. Hop, une petite graine de blé. Semée. Voilà, parfait. Et puis, bah, je vais refaire un petit peu de tri dans tout ce que j'ai là. Artefact, non, on va aller dans végétaux déjà. Ranger ça. Je vais. Bah, les poissons, je vais les vendre, mais faut que. Ok, ça c'est de la crotte, très bien. Ok. Ah, mais j'ai du cuir là en fait. Pourquoi j'ai mis le cuir dans végétaux, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Les os, je les mets dans loot, je pense. Ouais, je pense que je les mets dans loot. Ça, je vais le mettre aussi dans loot. De la viande, ok, de la laine. Ok, les poissons, faut que j'aille les vendre. Et ça, je vais mettre ça dans loot. Ok, ça, je garde. Je vais aller vendre mes poissons, tiens. Je vais aller vendre mes petits poissons. Hop. J'ai vu où elle était, la poissonnerie, en plus. Magnifique. Magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'entraînent contre un arbre. Oh, sympa. Sympa, ça. En plus, c'est lui qui a dit que son épée, elle était cassée. Effectivement, je vois qu'il s'entraîne. C'est très bien. C'est très bien. Il est encore là, le gars des poissons. Parfait. Ah, Petra, elle est en train de lire. Pour une fois qu'elle est pas dans son magasin. Alors, poissonnerie. Je peux pas te vendre, moi? Comment on vend? Refuser. D'accord, moi je peux pas lui vendre des trucs, quoi. Est-ce que je peux vendre mon poisson à toi, par exemple? Est-ce que je peux vendre mon poisson? Hop. Ah! Je peux vendre mon poisson. Pourquoi 27? Je sais pas. Je perds de l'argent en vendant des trucs? Je comprends rien. Hop. Ok. 1500! C'est pas assez par rapport à ce que j'ai besoin. Mais bah écoutez, c'est toujours mieux que rien. Faudrait qu'on arrive à 2000 assez rapidement en vrai. Hein. Il va falloir qu'on arrive assez rapidement à 2000. Hop, pour faire l'épée. Ok. Je regarde vite fait parce que les gens qu'il y a là... Je sais plus comment ça s'appelle... Vous m'avez dit qu'il faut que je continue à améliorer mes relations. Et notamment en fait... Il y a des gens avec qui on peut les faire aménager chez nous, en fait. Donc ça, c'est cool. Il me semblait bien qu'il y avait un discours à chaque fois le soir. Mais je crois qu'il dit rien de spécial, en vrai. Je crois qu'il va rien dire de spécial. Bonsoir à tous! Très bien. Salut. Est-ce que tu as parlé du fait que j'ai failli me faire arnaquer? Ah, il y a Toddy. Incroyable. Allez-y, venez, là. C'est la fin de semaine. Venez. Hop. Blablabla. Ah, ok, donc aujourd'hui, il n'y a pas de discours spécial. Très bien. Bon, bah écoutez. On va les laisser, et nous, je pense qu'on va se laisser également. Hop, je vais rentrer chez moi, écoutez. Tant pis. C'est dommage, il y avait une mission, là, qui s'est affichée un moment, et j'ai pas eu le temps d'aller la faire, là, pour les petits poussins. C'est dommage. Bon, alors attendez, j'avais un petit meuble, une boîte à outils d'artisan. Bah écoute, ça me servira pour l'instant de... Comment je peux la placer? Je peux pas la placer? Attends. Fortitude max. Mais comment je bénéficie de la fortitude... Ah, on peut l'équiper! D'accord! Ah bah c'est cool, est-ce que je le vois sur moi? Bon, je le vois pas, bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, nous, on va dormir. Voilà, on va passer la petite nuit. Et je pense qu'on va se laisser ici. Et en plus, on commence le deuxième mois, là, a priori. Très bien. Hop, allez, on va sortir de chez nous. Très bien. Ah. Non, j'allais dire, il se passe peut-être quelque chose. Mais non. Oh, je crois que la musique a changé, justement, parce qu'on a peut-être changé de moi, en vrai, hein. Je pense que c'est ça. Eh ben, écoutez, on découvrira peut-être ce nouveau mois. Je me demande si ça change pas de saison, même à chaque fois, à chaque mois, un truc comme ça. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça dans le calendrier, tiens. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que ce mois-là, c'est le printemps, et qu'après, eh ben oui, on est passé en été, très bien. Eh ben écoutez, on découvrira la saison d'été la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut faire un peu dans l'ordre. Parce que là, j'ai l'impression que on veut faire, par exemple, le bus Didi, mais on découvre qu'il faut une autre machine, puis encore une autre machine. Et pour l'autre machine, il faut débloquer l'établi niveau 2, donc il faut du machin... Donc ouais, au final, tu trouves un truc, et en fait, faut faire 4000 trucs avant, donc bah écoutez, on va y arriver, mais bah écoutez, si vous avez des conseils, je suis preneur également,
Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et sur ce, bye tout le monde!